Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars 2024, les députés du Togo ont voté pour une nouvelle constitution qui supprime définitivement les élections présidentielles au Togo. Suite à ce vote de nouvelle constitution, la population togolaise a manifesté avec véhémence sa colère et apparemment, le chef de l'État du Togo, son Excellence Faye Gnassingbé, a réagi à travers un communiqué de presse. Conformément à la procédure législative, le gouvernement a reçu du bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi 28 mars 2024 la loi portant révision de la Constitution togolaise adoptée le lundi 25 mars 2024. Toute chose étant perfectible et au regard de l'intérêt suscité au sein de la population par le texte, depuis son adoption, le président de la République a demandé ce jour à la présidente de l'Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée. De façon implicite, le chef de l'État du Togo, Faye Gnassingbé, n'est pas totalement d'accord avec cette nouvelle constitution qui veut supprimer les élections présidentielles au Togo. En clair, avec ce que nous sommes en train de comprendre, Faye Gnassingbé compte bien quitter le pouvoir à la fin de son mandat.